black-bearded old engineer know about fashion? He probably... Oh, wait, it's a she. Still, what does she know? Oh, wait, it says she has a medical degree. In fashion. Whoa. From France. Alors, voyons. Les tourelles qui sont derrière un mur ne me repèrent pas. Est-ce qu'il y a un mur? Oui, il y en a un. Yeah. Bon, maintenant, comment je passe? Ah. Yeah. Apparemment, il y en a d'autres. J'ai mis un bleu ici. Attends. J'aime bien bousiller les caméras. Oh, c'est mignon. Elle garde un cube. Ouais, c'est bon, elles sont derrière. Ah, oh là. J'allais dire, elles sont derrière une vitre. Pour les autres. Ah, bah, c'est tout bon, en fait. Boum. Commando. Et voilà, éliminé. Par contre là, est-ce que je peux envoyer un portail à travers la vitre? Non, je peux pas, donc je vais devoir vite me mettre à l'abri. Vous me voyez? Vous me voyez plus. Mal vidé. Hein? Non. Bah, bah, en fait, je suis con, Hop, un portail. Là-haut. Ouf! I'm going through the list of test subjects in cryogenic storage. I managed to find two with your last name. A man and a woman. So that's interesting. It's a small world. Elle aurait retrouvé mes parents? Serait aussi cobaye? Si c'est le cas, ce serait un peu glauque. Enfants et parents, tous les trois cobayes. Qui fait, j'ai peut-être même un frère ou une sœur. I have a surprise waiting for you after this next test. Telling you would spoil the surprise. So I'll just give you a hint. It involves meeting two people you haven't seen in a long time. Oh, pour finir, elle est sympa, GLaDOS. Elle va me faire retrouver mes parents. Différents modèles de tourelles, vraiment marrant. Panthère, zèbre, n'importe quoi. Quoi ça, rayon laser ou rayon tourelle? Rayon tourelle. Non, va falloir que j'aille vite en plus de sauter. Yeah. Ah ouais, il y en a quand même pas mal des tourelles ici. Voyons, qu'est-ce que je peux faire? Bon, il y a des portails ici, ici. Que fait l'interrupteur? Ah, il envoie un laser. Ah ouais, ça passe au travers des vitres. Ah bah, tous les coups, va falloir utiliser ça. Et là. Elle prend carrément le feu. Je pensais bien que le laser allait détruire, mais je pensais pas qu'elle prendrait feu.
Ça. Ça va alimenter le cube. Enfin, le laser. Et avec la lentille, je vais dégommer les vôtres. Aïe. Ah, ça m'a pas tué. Ça m'a pas tué. Je pensais que ça nous tuait. Encore un mensonge de GLaDOS. Ah d'accord, je me demandais comment on avait ouvert, mais en fait les tourelles cachaient un... Les tourelles cachaient un... Comment ça s'appelle ? Un capteur de laser, on va appeler ça comme ça. Chantote mal GLaDOS, j'ai à peine reconnu les la chanson. Avant qu'il y avait les sous-titres, sinon je j'aurais pas reconnu. It says this next test was designed by one of Aperture's Nobel Prize winners. It doesn't say what the prize was for. Well, I know it wasn't for being immune to neurotoxin. Il y aura des neurotoxines. Apparemment non. Bon alors en fait il a dû mourir des neurotoxines. Donc voyons. Alors ça, ça alimente une plateforme. Ok. Ça, c'est un petit par l'interrupteur. Ouais, je crois avoir compris. Si c'est ça, c'est vachement ingénieux. Je comprends que le gars ait obtenu un peu de bonheur. Ouais, c'est pas con du tout. Donc en fait, le cube, il coupe le laser et il se tient l'air grâce au plancher lumineux. Et quand je vais couper le portail, par exemple en le plaçant ailleurs, ça va faire tomber le cube qui avec le bouton ouvrira la porte et le faisceau laser retournera dans son capteur laser pour faire monter la plateforme.